bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude. Le son est beaucoup trop fort, comme d'habitude d'ailleurs. Pour la mise à jour du mitard. Alors là, vous pouvez voir en bas à gauche, il y a des tonnes de trucs en plus. Il y a des trucs de tonnes en moins. Ah, il y a le mode feu d'écran, plein écran, mais sans bordure. Vitesse du jeu supplémentaire x10. Ah, c'est bon ça. Peut-être construite maintenant sur les murs en fonction de déplacement, remplacement des objets. Des menus tout filtrés. Ajoute prisonnier très haute sécurité dans l'admission. Ah, enfin! Il est maintenant possible d'avoir deux chemins de patrouille qui s'intersectent. D'accord. Rotation. Fort pour. Fort pour plus d'objets et de meubles. Ok, amélioration des graphismes de déploiement et de logistique. Agrandissement de la zone d'action de l'outil clonage. Ah, on va pouvoir cloner les plus grandes zones. Option de recherche de la bureautique. Option pour rechercher la bureautique. Nouvelle partie. Ok. Mutation peut être accédée. Plein d'objets, quoi. Putain, j'avoue, ils en ont mis une tonne. Et plus, les snipers ont maintenant des clés de prison. Et ils donnent la priorité aux salles. Salles de touche plutôt que touche de cellule. Ah, d'accord. Ok. Les gardes postés à des machines. Maintenant, dans leur poste pour des fous. Général. Ah oui, donc on gardera s'ils sont ok, s'ils sont sur les caméras, ils en bougeront pas, très bien. Là, nous aurons les portes aux chiens perdus. Ok, la bibliothèque répond aux besoins de lecture. Un raccourci, un autre. Les portes rapides de celui restent ouvertes jusqu'à ce que la pièce soit terminée. D'accord, bon, bref, il y a plein de choses là. Donc ouais, ça y est, on va avoir plein de merdouilles au moins. Bah changeons la position de l'argent. Voilà, donc ceci est la prison de l'argent. Après un peu, les gens sont un peu tendus. Pourquoi, hein, ça a l'air de très bien se passer ici. Ah, extrêmement agréable. Et comme d'habitude, on n'arrive pas, dirais-je bien, gaming, 9 décès aujourd'hui. Ah, la bonne journée, la bonne nouvelle, ça fait plaisir. Bon, j'avais peur que ça y est, on s'emmerde. Non, visiblement, on aime toujours les jeux d'action. Et on n'arrive toujours pas à vendre notre bois. Alors, on a des petites étoiles sur les trucs, c'est pour me dire qu'on a plein de nouvelles choses, mais on va pas cliquer dessus. On va pas cliquer dessus. Ah, ils ont refait toutes les icônes. Oh, c'est trop kawaii. C'est trop mignon. Qu'est-ce qu'il y a là? Trouvé par des murs. Ah oui, c'est vrai que ça compte pas. C'est des faux murs. Incroyable. Du coup, est-ce qu'il y a des nouvelles techno par contre? Est-ce que genre on peut voir ça? Je crois que c'est ici. Pas de nouvelles technologies. Pas de nouvelles options, ajoute ça dans le jeu. Concrètement. 10 décès aujourd'hui, non, dis donc, c'est l'éclate, hein. Amusez-vous bien. Oh, ça nettoie, hein. Oh, ça nettoie dans les risques élevés, hein. Ça nettoie dans les coins, ça fait plaisir. Peut-être vous calmer, vous, à un moment donné, hein. Et donc du coup dans les admissions on peut mettre voilà les très hautes sécurités, vas-y balance tout tonton, on n'a pas le temps. Balance tout ce que t'as. On aime l'argent. Vas-y. Cette prison du coup c'est le bazar. Capacité de production carcérale. Ouais. Alors je crois pas que j'ai beaucoup de mecs qui vont la tenir, mais vas-y, on va le prendre. Étude sur l'alimentation incarcérale. On va faire des voyages si je clique là-dessus, hein. Allons-y. On va faire une étude sur les esclaves. Faisons.
Étudions les esclaves. Toujours très intéressant d'étudier les esclaves. Ils ont pas de bibliothèque, ils ont pas de quoi prendre des cours, si, ici. Si, ici. Ici, ils ont. On se décède aujourd'hui. Ah, moi j'aime ces stats, ça fait vraiment plaisir. Oh, ils ont changé toutes les couleurs. Donc basse, moyen et haute. Ok. Sécurité, haute sécurité, très haute sécurité celle-là. Ouais. À la limite, je me claque un dortoir aussi ici pour les très très hautes sécurités, genre. Alors ça, c'est pour les très hautes sécurités. Et on met juste des plus bas et on démarre. Je parle pas du footballeur. Ah, du coup, on a cliqué. Donc on peut voir tout ce qu'on a. On a une petite table pour manger. C'est mignon. On a un petit banc pour manger. On a des gradins pour jouer au foot. On a des bisons. On a... Ah, on a l'arbre de Noël et tout. Trop mignon. On a un panier. On a des projecteurs. Projecteurs. Je veux voir ça. On a moyen de voir ça quelque part. Déjà, est-ce qu'il a besoin d'être accordé au réseau ou pas? Tu vois, ce genre d'éléments, ce serait bien qu'on sache. Voilà. Évidemment, on peut le pivoter dans le sens qu'on veut. Ok, nice. On voit pas d'embrouille. Le lampadaire. Alors, pareil, est-ce que c'est juste du déco room ou pas? Est-ce qu'il a besoin d'être. Excuse-moi, on va te mettre genre par là. Ah, de dos. Très joli. De la lumière murale. Et je peux pas la mettre. C'est mural là comme lumière. Hein. Je peux pas. Elle ressemble à quoi ta lumière? Ah, si tu la poses, ok, comme ça. Ça va. Yes. Pourquoi je peux pas? Yes. Pourquoi? Pourquoi I can't? Quoi, I can't do that. Ah, c'est une lumière, mais d'intérieur. On n'a pas le droit de la mettre à l'extérieur. Interesting. Interesting. Mettons ça à l'intérieur, mais genre ici, tu vois. Genre c'est déco. Voilà. Stylé. On verra ce que ça fait. What else? On avait une cabane de douche. Une colonne de douche. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est très joli à l'intérieur, visiblement. Tiens, prends une colonne de douche. On sait pas. Ah, on a des paillasses, c'est très joli. Hein. Très joli. Hein. Ah, tu sais pas pourquoi il reçoit tous les objets. C'est qu'il reçoit rien. Donc là, voilà, c'est un peu les news objets. Est-ce qu'il y en a vraiment plus, quoi? Ah oui, il y en a plus, il y en a plein que j'ai pas vu. Chaise de bureau. Je pense qu'il y a un problème de taille. Il y a du design. Je pense que ça a été conçu spécialement. Voilà, exactement. Ça a été conçu spécialement pour ce genre de bureau. Très bien. Alors attends, on va te la mettre, hein, on va démonter ça. Et on va envoyer. Ouais, pourquoi tu veux pas que je la prenne? Ouais. Ouais. Allô? Le jeu? Merci. Qui semble subsister, qui est t'es fermé mais en fait t'es ouvert. Ça a l'air d'être ça le délire. On a une planche à repasser, petite planche. C'est très bien ça. C'est très bien, ok.
pas d'embrouille là-dessus. Et à première vue, il y a encore un ou plusieurs objets qu'on n'a pas vus. Ah, comme ça, tu vois, c'est très désagréable. Ça a bugué. C'est chiant. C'est chiant que ça ait bugué. Alors attends, déjà normalement il y a une histoire de Z, X qu'on peut tout fermer là. Non, mais non. Oui, je peux détester, ouais. Oh, c'est compliqué, vous savez. Hein. Ah, mais là j'ai lancé le mode normal. Oh. Oui, non, t'étais pas obligé. Ah, oh, du coup, c'est en train de. Au secours! En fait, vu que je lance tout le temps en Legacy le jeu, il y a deux manières d'être lancé, en classique et en Legacy. Je lance en Legacy parce que finalement il est moins gourmand. C'est assez rigolo. Il est censé être de plus haute qualité. Ah non, mais ferme ta gueule, au secours. Au secours. Non mais. Voilà, merci. En Legacy, merci. Ouh! Ouais, on a déjà perdu quelques minutes. Bon! Et si on revendait cette prison pour en faire une nouvelle? Tout ce qu'il faudrait faire là, éventuellement, ce serait arrêter de tuer les gens pour avoir un petit peu plus de plus-value là, parce que. Parce que non, en plus-value, on est quand même pas dingue. Allons-y, on cherche une prison, on va prendre, je crois, l'auto. L'auto, on va être plus proche. Prenons la sauvegarde automatique. Ok, fort bien. Sauvegarde automatique, non, j'ai pas l'impression qu'on était beaucoup plus loin, hein, mais. Allons-y, x10. Alors, oui, j'ai dit qu'il faudrait peut-être que j'arrête de buter des gens, ça serait bien. Ouais, c'est bien de tuer des gens. Estimation. Il n'y a pas de pénalité de décès? Ah, et par contre, il y a les subventions que je viens de prendre. Il n'y a que 10 000 balles. Pourquoi il me met une pénalité de 50 000? Il n'y a que 40 000 que j'ai pris là, non? Arrêtez de tuer les gens. Ce serait le feu à volonté. On va patienter juste pendant 16 heures, histoire de rentrer des prisonniers supplémentaires. Toucher l'argent de ces prisonniers qui rentrent. Et ouais, réussir le programme. C'est tellement mort. Non, j'aime bien la sauvegarde automatique, en fait, elle est prise quand j'ai lancé. Ben, c'est des blagues, quoi. Elle est pile quand j'ai lancé le. Les 30 plaques, je me demande si on pouvait pas les faire pareil avant de partir. Valider un petit peu d'argent vite fait. On placasse nous un peu, je crois, non? On placasse ou pas du tout? Ça a l'air compliqué, ça dépend. Dites-moi tout. Je crois qu'on a pas grand monde qui travaille dans les ateliers en fait. Comme d'habitude, je crois que c'est un gros problème ça. On a l'air de sortir quelques planches. J'ai pas de bonus de 24 heures de tranquillité sans incident. On rentre trop de gens. Il faut que je vende. Alors, murs et portes, pareil. On a des tas de choses. Oula, c'est quoi tout ça? On a une jolie petite haie. Un mur carrelé. Un mur blanc. Un mur avec des barreaux. Un mur. Une utanique. C'est quoi ça?
Ah, et si je te construis pas, je vais d'accord. Porte de clôture standard, porte de clôture personnelle, porte de clôture visiteur, ok. Porte sécurisée, ah oui, mais avec le passe-plat. Porte du personnel, porte des visiteurs, ok, j'ai tout. La boue, la fameuse boue, c'est de la boue et c'est gratuit. Ah, ça c'est bien, c'est gratos. Grille, donnez à vos sols de prison une apparence haute technologie. Test de marche normal à l'intérieur, c'est bon. Revêtement métallique, apparence personnalisée. C'est vitesse de déplacement, ils sont en intérieur, c'est normal. Revêtement cargo. Revêtement de marche rapide, à l'intérieur uniquement. Revêtement carrelage. Dans vos cuisines et dans vos cantines. Voilà. Et de la neige. C'est comme de l'eau, mais plus froid. Bon. Ah mince, on est parti sur 9 décès aujourd'hui, mais non! Et Solaco, donnez à vos sols de prison un aspect haute technologie, bien assorti avec les murs Yutani. La vitesse de marche normale à l'intérieur seulement. D'accord. Ok, c'est vraiment pour les amoureux de l'art et des camps. Ah, le petit bruit de taser qu'on aime beaucoup. Quel objet j'ai pas vu là-dedans là? Je dis qu'il y a des objets, je les ai pas vus. Bah, à moins qu'ils me proposent pas tout là, parce que je suis pas sur un bâtiment où on peut me proposer l'objet spécifiquement. Mais normalement, il est censé tout mettre là. Non? Si, peut-être. Verrons bien. Nous verrons bien. Bref, on a encore tué quelqu'un, c'est problématique. Il faut que je vende, c'est très très problématique. Il n'y a pas l'action vendre. L'action vendre Bicrave. Ouais. Ça devrait être une action à part, ça d'ailleurs. Hein. Dans les trucs à remonter. Ouais. Alors, on devrait pouvoir faire des grands cercles aussi, des trucs à vendre. Mais rien, t'en fous. Des grands carrés quoi. Hein, parce que moi et mon industrie du bois, c'est compliqué quoi. Hein. Après, ça fait un petit billet. Oh, 6000 balles de libération anticipée. Ah non, mais c'est bien, on vit de la prison, c'est beau ça. Ça c'est l'humanité, moi. Moi, c'est ce que j'aime dans l'humanité. J'aime voir cette beauté de la libération anticipée. Je touche des grosses primes. Vous rendez compte, j'ai touché deux fois plus d'argent qu'avec tout le bois que j'ai vendu. Bon, peut-être pas. Bon, j'ai gagné autant que là ce bois là que je viens vendre. Je viens de vendre. En vrai, c'est déjà bien. Ok, bon, on est pas mal, on est pas mal. C'est du vendu. Oui, ça, il faut que je les attrape avant qu'ils aient le temps de déposer les trucs. Oh là. J'ai vu, t'as un truc à vendre, toi. Ah ah! Crier. Ah, on heureusement qu'on a l'industrie du bois pour sauver les murs. Croyez-moi bien. Je suis sûr que si je vais voir le rapport comptable, ça sauve tellement les murs. Ça veut rien dire. Dotation prisonnière, hein. Exportation 23 800. Ah, c'est la moitié de la dotation. C'est plus de la moitié de la dotation pour les prisonniers. Comment dire, ça fait vraiment beaucoup d'argent au bout d'un moment. Pas se mentir. Hein. Pourquoi tu reprends du bois là? Cassez-vous, vendez tout là, arrêtez de faire chier. Allez, on vend tout. Je peux vendre sur le camion, lol, la blague, je peux vendre sur le camion. On attend des trucs trop. Je
peux vendre directement tout ce qui est sur le camtar. Ouais, non, mais ça c'est fouillé, donc c'est à vendre. Alors, les mecs ils exportent. Ah là, disons qu'il y avait tellement de bois qui pouvait pas être exporté qu'en fait ils l'ont jeté ici quoi. Ah oui, visiblement on peut prendre la plaque assas carcérale. Voilà, on va prendre ça. On va prendre ça. Programme. Sub. Capacité de production. Carcérale. Bloc de cellules. Il faut que j'augmente ma capacité à 200. Mais je dois y être presque là. Ah, je suis à 100. Ah ouais, non, faudrait vraiment l'augmenter sérieusement. Bah ouais, je pense que... Je pense qu'on peut dire que ouais, ça va aller ici. Comment on fait déjà? Ah oui, une pièce. Il me faut un dortoir. Ça sera le premier et unique dortoir de la maison. Excellent, c'est ça, les sinistrés. Excellent. Il y en a un qui a pas dû être libéré. Excellent. Mettons une grande porte de prison par exemple. On évite de chercher pas des emmerdes. Hein. Ça. Dans un dortoir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ce soit entouré par des murs, ok. L'issue superposée et des toilettes. Très bien. Alors, allons-y. Allons-y pour des toilettes. Ah, est-ce que je fais les choses bien? Oh, on fait pas les choses bien, on est là pour l'argent là, on s'en fout. On est juste là pour le pognon. Après, on s'en fout. Donc, on a la ligne de chiottes. Je crois que comme tout le monde, je vais refaire. Oui, il y a eu un petit ramage qui s'est rapporté au plumage. Voilà, les pommes de douche elles sont où? Voilà, des lits superposés maintenant. Ça va être bien. Pour moi, ça va être des idées de génie. Hein. Et encore, je pourrais faire mon vieux connard et tous vraiment les coller à la file. Je vais pas le faire hein, parce que je suis quand même un homme charmant. Je respecte la vie. Pas du tout. Directeur de prison, je respecte pas la vie, voyons. Soyez lucide. Ouais, on va faire de là, on va faire la même. Ah, les ouvriers vont gueuler. Hein. Enfin, entre le bois et ça, ils vont gueuler. Hein. Je suis décalé. Ah non, je suis pas décalé. Et je t'ai décalé par rapport en haut. Ok. Ok. On est pas mal. Ouais, je colle. Hein. Hop. Et il restera de quoi mettre encore un lieu milieu, c'est incroyable. Il y a du génie. Hein. Probablement du génie machiavélique, mais il y a du génie. $150 de salaire de prisonnier. Oh. Pourquoi on paye les esclaves quoi? C'est n'importe quoi. C'est un truc que je comprendrai jamais ça d'ailleurs. Bon. On veut faire des prisons modernes, intelligentes. Je suis d'accord pour qu'on fasse des prisons. En fait on devrait avoir deux types de prisons. Vraiment la prison punitive de ouf où tu mets les pires raclures de bidet et tu sais très bien que c'est pas pour les réintégrer dans le système que tu les mets. Clairement. Et tu viens pas pour les sauver, tu sais qu'ils sont là juste pour mourir quoi, en attendant que la mort vienne les chercher. Et la vraie prison effectivement de réinsertion professionnelle. Voilà quoi. Alors il faudrait peut-être de la plomberie aussi. Ah, on n'a pas une plombe qui passe au milieu. Ah. Oh. 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 Oh.
ici on peut pas. Pourquoi là je peux pas? On va aller jusque là. Après on s'en fout, on va faire ça. Pourquoi ici? Mais pourquoi on peut pas? Secours. Perturbe. Je peux pas. Bref, nous verrons après. Ah, excusez-moi. Nous verrons après. Nous allons continuer à empiler des lits. Eh, ils arrivent à faire leur travail, hein. C'est un peu compliqué pour eux, mais ils y arrivent, hein, visiblement. Ça a l'air de marcher. La double porte est là-bas, ok. Voilà, voilà. Cette pièce était faite pour accueillir un dortoir. Il faut le dire. On le dit pas assez souvent, elle était parfaitement conçue pour cela. Regardez. C'est pas ouf ça? C'est ouf. On pourrait même leur mettre une petite étagère à livres ici. Bravo Osef. En vrai, méga Osef. Les larbins n'ont pas besoin d'apprendre à lire. Par contre, les bruits sont toujours vachement agréables dans ce jeu. Hein. Ça clonque. On pourrait quand même faire varier un petit peu la sonorité. À long terme, c'est abrutissant. C'est pas gênant parce que t'as l'habitude. Enfin, moi j'ai l'habitude de poser des lits torsionnaires là, à l'affilée quoi. Mais. Un peu lourd. Hein. On est bien comme ça. Ah, la capacité d'accueil carcéral. Qui va être monstrueuse. On va être bien quoi. Voilà. Et finalement, puisque je suis grand seigneur, je sais même pas si je suis grand seigneur à ce point-là. Une petite étagère à livres, juste là. Voilà. Grand seigneur ou pas? Et des fenêtres. On leur met des fenêtres. Ah ouais, 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 ils ont droit de prendre l'air, ça y a pas d'embrouille. L'air frais, ça rafraîchit toujours un peu les cerveaux tendus. Hein.
je crois que vous êtes fait choper les mecs. Vous êtes fait choper, c'est bien dommage. C'est bien dommage pour vous. La liberté est aussi proche et maintenant elle est si loin. On vient à l'air dehors de toi. Ouais, ça a l'air d'être bien. Tu voudrais dormir, mais dors sur l'herbe. Eh, ce gazon a coûté 15$, gros. Dors dessus, citoyen. Ah mais le mec il est... Mais mec... Laisse donc la police faire son travail. Yo. Comme il est bête. Incroyable. On est pas mal. Ça donne quoi l'emploi du temps? Déjà le bloc de cellules... Pouvoir le valider. Pour produire 30 plaques. Oui, donc d'où l'emploi du temps. Excusez-moi, régime. D'où l'emploi du temps. Beaucoup de travail. Je trouve que ça travaille pas beaucoup. Après, on va encore avoir des embrouilles, des meurtres. Ça rentre hein. Dans 50 minutes, dans quelques minutes, on va rentrer encore la max de type. Ouais, ce dortoir n'est pas valide. Ah oui, il est pas valide parce que j'ai toujours pas mis la porte de prison. Est-ce qu'on peut pas augmenter la priorité de ce machin? Je sais pas, je crois que c'est en faisant mash click. Voilà. Voilà. C'est pas ça. Je sais plus comment on augmente la priorité. Il y a un truc genre contrôle clic gauche. Je sais plus. Je sais plus. Non, on a 308 prisonniers sur 99. Faut arrêter de faire du genre aussi. Vraiment, vous êtes médisants. Ah. Il y a un monsieur qui t'a tiré une balle au-dessus à côté des oreilles. Il s'est dit, je vais peut-être me détendre vite fait là. Évidemment, ouais. On croit, ouais. Oui, j'avais commencé un autre, une autre prison ici, quoi. Eh bien, bon courage, les gars. 39 emplois, 15 effectifs d'étage, 11 au repos. C'est ce gardien. Ouais, mais niveau fatigue, ça se passe comment? Blessé, fatigué, 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 fatigué en patrouille. Ouais, c'est un peu lourd comme rythme, hein, on va pas se mentir. Du coup, moi, je propose de... propose pour soulager mes gardiens de les aider à vendre du bois. Aucun rapport. Mais je vais vendre du bois. Je vais en vendre beaucoup. De vente déjà. On vient de commencer la journée, pas 20 000 de vente. C'est pas mal. Je vais pas chier avec les bouts de bois, je m'en occupe. Hop hop hop, ça c'est vendu. Ah, ils ont trop de taf. En fait, ils ont trop de taf, les mecs. Tous, hein, même les gardiens. Quoique, normalement j'ai un gardien pour 3 mecs. Normalement on est bon. Oh, on va peut-être réparer ça aussi. Peut-être commencer à retirer. Les mecs ils ont...
Faut dire, les mecs ils étaient pas... Ah non non d'accord, c'est pas... c'est l'autre cellule, ok. Ce que j'allais dire, le pauvre il était quand même pas d'accord avec lui-même, il savait pas trop où il voulait faire son trou. Le gars a fait deux trous dans sa cellule. Attends, par où je vais partir? Débute. Vas-y, viens-moi ça. J'ai besoin de moult ouvrières supplémentaires. Personnel. Ouvrier. On en a que 60. Très bien. Voilà. Contrôle clic gauche pour lui donner la haute priorité. Bah voilà. C'est ce que je veux. Je sais pas si ça a marché. Bon. Excusez-moi. Alors, petite gorgée de café hein, avant qu'il soit complètement froid. Ouais, enfin bon. C'était bien d'avoir de l'espoir. Toujours bien d'avoir de l'espoir. Eh. On va commencer à avoir une capacité de cellule hein, dès que cette porte sera faite. Oui, par contre, c'est parce qu'on a mis des gens, donc ouais, faut arrêter de faire défiler le temps. Allez! Des gardes armés, j'en ai combien ou je peux en avoir combien? Je suis à 30 sur 31. Oh, je suis à capacité max. C'est terrible. C'est terrible, il me faudrait. Mon armurerie n'est pas assez grande. J'aurais bien. Ah ouais, on va peut-être magouiller un truc. On va peut-être. Allez, les gars, qu'est-ce que vous en pensez si on glisse deux casiers supplémentaires? Voilà. Deux casiers supplémentaires. On embauche forcément un gardien de plus. C'est top, c'est ce qu'il nous faut. Et en vrai, on pourrait presque fabriquer des lits, hein. Si on avait un gars qui reste en vie assez longtemps pour avoir le niveau, on pourrait fabriquer des lits et aller jusqu'à la fabrication de plumards. Par contre, je sais pas pourquoi je suis bloqué à 80% ici. Il n'y en a pas un là dans tous les mongolos que j'ai qui veut le passer, ça. Hein. Qui veut finir de passer son diplôme, quoi. Ah, mais lui, il doit être au bout de sa vie. Il est sur son carré d'herbe là. Depuis 25 jours. 25 jours que le mec qui vit sur un carré d'herbe. T'en peux plus. Eh mais là ça compte. Entouré par des murs et des portes. Mais gros, il y a une porte. Gros, il y a des murs. Gros, ça compte comme une cellule. Là ça compte. Où tu m'as mis genre le truc c'est à travers les murs. Tu me l'as compté comment là? Comment il me l'a compté là? Qu'est-ce qui se passe là? On va refaire la pièce parce que visiblement le jeu a décidé de bugger. Ah non, ça y est, c'est débugué. Okay. Il a juste fallu un petit temps de réaction. D'accord. Hop. Une cellule à fouiller. Allez-y, chers petits amis, il y a une cellule à fouiller. Bon, comment ça va valoir combien la prison là? Décès, pénalité, 24h, 50 000. Oh non, mais là t'abuses là. Les décès ça arrive, y'a des gens, ils ont un âge certain. Ils meurent quoi, ça arrive.
putain quoi. Par contre ma capacité d'admission elle a explosé. Ce qui veut dire qu'on arrive aux subventions et on dit bonjour, je voudrais l'argent des abonnés, merci. Bloc de cellule E, 500 mecs. Oh. Ouais non là 500 mecs, bah ça serait bien qu'on les prenne, ça fait de l'argent avant de partir faire la nouvelle prison. Mais il est pas mort le mec qu'on a entendu. Il est pas mort. Allez les gars, vous pouvez le faire. Franchement, vous pouvez réussir à me poser des plumes. Dans la 500, on n'y sera jamais. 500, il faudrait que jamais n'achète prison là quoi. 8000%, jamais on y est quoi. On a un prisonnier ici, tranquille. Attends, il y a un mode double clic et on peut te suivre. Bah ok. Bah sa vie elle est cool. Sa vie elle est très cool. Bah écoutez, on était parti sur un joli petit concept de prison ici, très très mignon, très très kawaii. Mais alors du coup, on va juste mettre du béton hein. Voilà, c'est parti hein. Très bien, très joli. Très jolie surface hein, si vous voulez mon avis, hein. Vraiment très joli. Il faut une porte. Évidemment qu'il faut une porte. Une porte. Une porte. Nécessite une entrée. Une porte s'il vous plaît. Une porte de zomperie. Une porte de zomperie. Je vous prie. Porte s'il te plaît. Pas ici, visiblement il n'y a pas de porte dans le jeu. Allô. Oh là le jeu. A cassé le jeu. J'ai cassé le jeu visiblement. Le jeu ne souhaite plus répondre. Le jeu n'a plus de porte à disposition. C'est embêtant. Le jeu a perdu ses portes. Le pire c'est que c'est exactement ça quoi. Je ne trouve aucune porte. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah parce que maintenant... Ah oui je suis con maintenant, il est zombie dans les... Ok, il est zombie dans les murs. Ok, ok. Ouais, pourquoi pas hein, en fait. Hein. C'est ok, il n'y a pas de bruit. Ah j'aurais pu tester les nouveaux styles de murs, machin. Ouais, 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 j'aurais pu... Oh, on fera ça sur une nouvelle prison. Ça sera rigolo. Ouais, bah très bien, en plus j'ai une livraison ici. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Par contre là on est en x10 hein, niveau, hein. Il va falloir vous bouger, mais je crois que mes mecs ils sont tellement surcrevés qu'on n'en fera plus rien quoi. En tout cas cette capacité d'admission augmente, et ça c'est beau. Par contre on produit pas une plaque d'immatriculation, hein. C'est catégorique. Hein. Des mecs qui bossent dans cette atelier parce que j'ai pas l'impression. C'est pas là-dedans, c'est dans logistique. On peut être des priorités à un secteur. Intéressant. Allez, mais on le verra que lorsque ce sera l'heure de. Lorsque ce sera l'heure de travailler. Sûreté et machin à l'atelier. Ouais.
Oui, alors le problème de cette prison, c'est qu'elle n'a pas été conçue pour être vendue, vu le nombre de prisonniers que j'admets. Puisque lorsque vous voulez revendre une prison, en fait, il vaut mieux avoir une prison vide. C'est-à-dire que vous arrêtez d'accueillir des prisonniers. Hein, voilà. Et bon, ouais, il y a 40 500 $ à prendre. Même si on me colle une pénalité de 50 000, je me dis tous les jours, je prends 40 000 balles, quoi. Difficile de cracher sur 40 000 balles. Même l'argent. Il reste un lit ici à mettre. 249 sur 299 prisonniers. Ça va se faire, ça va se faire. Ça va se faire. Allez, les musulmans, ils en plus, sont en train de suer de leur vie. Il y a des prisonniers qui traînent dans la rue. C'est un style, hein. Laisse pas traîner ton prisonnier. Faudrait faire une chanson. Faudrait faire une chanson juste pour ça. Ah, je vous ai fait gagner un temps précieux, les mecs. Beau ça. Tous mes ouvriers sont morts et décédés. Ah oui, parce qu'il faut prendre les ordures. Vas-y, prends les ordures. Vas-y, ma gueule. Prenez les poubelles. Le bout de bois, vous embêtez pas avec ça, c'est vendu. Tout vendu. Exportation hier, c'était 20 000. Alors on a exporté moins hier, c'était terrible. Faire plus d'argent vite. Si, quand même sur une petite on est quand même sur une petite balance entre 20 et 30 000 par jour de bois. On est quand même confort, hein. Qu'on le veuille ou non, on est quand même d'une certaine d'un certain confort. Alors attendez, je vais essayer il faut que je vous dise, je vais essayer une fonction d'OBS. Visiblement maintenant on peut mettre pause sur les vidéos. Je fais une pause et je vois si ça marche et je reviens. Yes. Ben j'ai... Alors moi, ok, normalement là ça doit tourner. Eh ben j'espère que ça marchera encore. Ouais, j'ai ah oui, parce qu'en fait si je clique, oui, c'est vrai, à l'extérieur de mon écran ça coupe le son du jeu. Non, ok, c'est pas OBS. Ouais, je teste la fonction, parce que ça me permettra éventuellement moi de perdre un temps monstrueux sur des jeux vidéo et de vous faire des vidéos beaucoup plus courtes de votre côté. Eh ouais. Bon, on sait que c'est pas trop le genre de la maison, on sait que les vidéos courtes ici, on n'aime pas trop. Hein, on prend le temps de se poser, on fait les choses quoi. Je sais pas si on les fait bien, mais on essaye. En tout cas, on essaye de prendre le temps pour les faire bien. Ou alors le paradoxe improbable, on prend le temps d'essayer de les faire vite. Quoi? Pardon? Quel problème, monsieur? Oh, j'ai pas assez de larbin! Haut-urbain, allez! Allez! Gaucher Wassa, c'est urgent, faites-moi cette prison très très vite. Alors, on trouve des trucs là, si je fais une fouille générale, je sens que c'est le chaos, hein, direct. Est-ce qu'on a toujours la pénalité On l'a plus. On l'a plus, il n'y a pas de décès en cours, ça se passe plutôt bien. On est pas mal. Disposer de 10 prisonniers ayant réussi le programme de faire ça jamais. Les 30 plaques, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils veulent pas les produire, les mecs.
pas les produire quoi. C'est vraiment genre vraiment juste non quoi. Tu peux ah ok. Ah, j'ai l'impression que ça produit genre zéro plaque. Ça découpe surtout du bois mais ça produit pas de plaques. Et est-ce qu'il faut pour produire des plaques? J'ai vu que la dernière fois on avait fait une petite pile de placasses. Je sais pas si on a dû l'exporter depuis. Mais ça peut être intéressant. Ça serait bien qu'on en arrive là quoi. On arrive à un point où ça y est c'est vendu. Ah ouais, ah, le truc c'est qu'il faut que j'aménage une cantine là, si je veux faire ça. Non, non, c'est ce qui m'intéresse, c'est juste la capacité d'admission. Le reste c'est vrai que je m'en fous. Je m'en fous en soi, ce qui m'intéresse c'est juste la capacité d'admission. D'ailleurs on pourrait se faire un petit tour, voir si on n'a pas un petit papier feuille qui traîne. Ah, il va falloir que j'arrête la vidéo, ça y est, je suis en train de me faire spammer de messages. Pour le prochain Héros et Chaos. Oui, car on a commencé à retourner du Héros et Chaos, un premier épisode pas très passionnant, je vous préviens. Qui pose évidemment des bases. Le groupe ne se connaît pas forcément très bien, faut le temps que ça se mette en place tout ça. Mais oui, on repart sur un Héros et Chaos, intégralement tourné pour ceux à qui ça va. Ça revient. Et donc là, faut que j'aille m'occuper des sbires que je vais tuer, encore une fois, incroyable. On n'aura même pas fini, mais... Et vers où ça, moi, ouvert. Ah. De crétin. Ne dites pas que j'ai pas assez de prisonniers. Vraiment... On est assez nombreux, là. Ça suffit. En train de découper du bois là. Je vous vois les mecs hein. Vous êtes encore en train de découper du wab. On a un petit peu trop de bois. Ah non, ils sont en train de se glander là. Ils sont en train de se glander, c'est trop mignon. Bon, ça se glande, mais c'est vrai, hein. ça se glande pas très longtemps quoi. Hein. J'ai pas le temps de fouiller ce bout de bois en vrai, vraiment on met hop, réduit la liste. Ah, cette merde, hein, j'ai pas le temps. Vendez tout, on vend tout. Le mec il a voulu m'esquiver, petit pas sur le côté. Prochaine mission, bien sûr, hein, si je l'accepte, et je l'accepte, ça va être de d'atteindre les... Mais ça je vais vous faire en off, justement, pour le coup, je pense. Je vais atteindre les objectifs de... Enfin, pas tout, peut-être pas tous, hein, mais je vais essayer d'avoir mes 30 plaques. Et de quoi... Wow, c'est cool. Regardez ça, c'est pas beau, là. Regardez, on peut peut-être même aménager ça tout de suite, vite fait. Paf, un dortoir gigantesque, s'il vous plaît. Et paf, la pastèque. Incroyable, incroyable, incroyable. Non, c'est pas ça qu'il me faut, excuse-moi. Je vais partir un peu loin, mais de toute façon, il va falloir qu'on y passe aussi. Voilà. Une ligne de toilette. Très bien. Ah, ça c'était vraiment pour le style. Hein. Et après, bah ouais. Hein. Pour avoir une capacité d'incarcération. Hein. Oh, ça va être moche. Hein. Oh, je pourrais l'optimiser. Hein. Mais je vais pas faire. Hein. Vous avez bien compris que ce sera moche et dégueulasse. Ça commence à coûter cher en lit. Et là, vous n'avez plus d'argent.
avait plus d'argent. Mes revenus sont tombés instantanément. Ils ont fondu. Pourquoi d'ailleurs? Parce qu'on n'a pas d'exportation. Ah, j'ai pas exporté. Et que, bien sûr, les salaires ont explosé puisque j'ai beaucoup trop d'employés de base. Évidemment. Évidemment. Et que je n'ai pas rempli plus qu'avant de prisonniers. J'ai même un peu moins de prisonniers qu'avant. Yes. Ah, mais ils sont en train de m'amener les prisonniers en cellule. On va avoir moins de problèmes. Hein. On va finir par avoir moins de soucis. Ce qui est assez étrange. Je dois avouer, je suis pas habitué. On va finir par avoir moins de soucis. 12 familles attendent de rendre visite, vous allez attendre longtemps. On doit être libéré. 35 demandent la conditionnelle. Et pas tant que ça qui demande la conditionnelle quand même. Hein. Pas si ouf que ça. Hein. Voilà. Ouais, faut de l'électricité, tout ça, tout ça. Est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Et en plus, on n'a pas d'argent. Je veux dire, foutez-moi la paix. Ouais, foutez-moi la paix. T'as pas de thunes. Bon, bah, je vous remercie, c'était Knafrank sur Code d'Habitude Gaming pour cette introduction. Nouveaux éléments de. Enfin, tout du moins, je les aurais vus, vous les aurez vus vite fait. On va partir de toute façon sur une nouvelle prison tranquillement. C'était aussi histoire de mettre une vidéo avant le nouveau PC. Ouais, il fallait que je vous dise. Ouais, s'il n'y a plus rien, c'est parce que j'attends le nouveau PC. Celui-ci est à genoux et en gros, à part tourner du Prison Architect et quelques petits trucs comme ça légers, je peux plus rien tourner vraiment de sérieux. Genre Fallout, là, c'est devenu impossible quoi. C'est Fallout en 2 frames. Je sais que vous avez l'habitude d'un Fallout en 5 FPS, mais là on est en 2 FPS donc ça devient impossible quoi. Pareil, il me reste une map que j'ai pas terminée sur Payday 2. Que je peux pas faire parce que dès que je lance l'enregistrement c'est fini, je joue en 2 FPS, c'est improbable quoi. Donc, et puis c'est vrai qu'il y a des jeux comme Sea of Thieves auxquels je joue énormément puisque Sea of Thieves, je vous ai quitté sur Sea of Thieves, j'étais level 30 partout, maintenant je suis une légende, je suis pêcheur, même ma pêche est bientôt légendaire parce que je crois qu'en chasse et pêche, je suis, pour ceux à qui ça parle, je suis quasiment level 48 sur 50 donc tranquille. En attaque de PJ, je suis à zéro. Mais voilà quoi, c'est une autre histoire quoi. Bon, je vous remercie, c'était Knafrank sur Comme d'habitude Gaming pour Prison Architect et je vous dis à la prochaine. Ciao.